Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Age of Mythology Retold, jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de l'âge et évoluer en âge, et avoir de nouveaux, nouveaux héros, voilà. Alors quand vous allez commencer le jeu, vous devez mettre un centre du village, donc un forum. Voilà, vous cliquez sur un personnage, et le forum se trouve ici sur le côté gauche, et vous créez un forum. Une fois que vous avez construit le forum, vous cliquez dessus sur le forum. Moi je suis sur le Xbox, donc j'appuie sur la touche RT, et je vois en bas ce qu'ils demandent. Donc là, vous devez construire un temple avant de choisir un dieu mineur pour atteindre l'âge classique. Donc là, il faut que je construise un temple. Donc je sélectionne des paysans. Je sélectionne le temple. Et je construis le temple. Voilà. Une fois que je construis le temple. Une fois que je construis le temple, il se construit, voilà. Je peux sélectionner le forum, cliquer sur l'âge. Donc là, voilà, l'âge 2 me demande 400 de nourriture. Je clique dessus et je peux choisir la divinité que je veux avoir. En sachant que vous pouvez passer de droite à gauche pour regarder ce qu'elle vous fournit. Donc lui, j'ai Arès par exemple. Arès, dieu de la guerre, de la bataille et du massacre. Force, fantassin. Et là, Hermès, dieu du messager, force cavalerie. Voilà. En sachant que celui-ci me donne aussi n'importe quel emplacement, un cessez-le-feu. Les unités mythiques, donc ce seront des centurions, des centaures, pardon. Et elle me donne un bonus pour tout cela. Voilà. Et si je choisis l'autre, ça me donne la peste en pouvoir. En unité mythique du cyclope. Et ces armes, ces bonus-là, technologie. Tout ça, voilà. Alors, les pestes. Donc là, par exemple, moi, je vais choisir lui. Je sais que c'est lui. Donc, ça va se construire. Donc, vous voyez, il a la barre au-dessus du chargement. Donc, ça met un peu de temps à charger. Hop, ça met combien de temps? Pas écrit de temps. Bon, même pas une minute, je pense, pour le premier. Une fois que c'est fait, j'aurai mon nouveau héros, mon pouvoir. J'aurai la possibilité d'avoir des cyclopes et les améliorations. Là, pour avoir le pouvoir, il faudra, au milieu, vous voyez, écrit, il y a écrit 1. Il y a le chargement, ça va le 3-2. Donc, il faut que j'appuie sur LTX. LT et X. Et c'est là, j'aurai mon nouveau pouvoir. Donc là, j'attends un petit peu, il y aura le chargement. Et là je pourrai passer mon, j'aurai passé mon âge. Donc, mon âge niveau 2. Voilà. Et je pourrai avoir, les nouveaux pouvoirs avec les nouvelles améliorations. Vous avez vu que j'ai réussi à avoir le cyclope, donc le cyclope il va se mettre ici, voilà, j'attends, il charge, et voilà, j'ai un cyclope, voilà, et après je clique sur le temple, et là je pourrais construire les autres cyclopes. Les pouvoirs, quand j'ai sélectionné mon nouveau dieu, vous avez vu sur le côté gauche, j'avais la peste. Donc la peste, vous voyez, elle s'est mise en haut au milieu. J'appuie sur LT et X. Ça me permet d'utiliser la peste. Voilà. Tous les pouvoirs seront là-bas. Plus vous montez en âge, plus vous aurez les pouvoirs. Et vous aurez d'autres créatures par rapport à ceux que vous choisirez. Et les technologies que vous avez sur le côté se mettent soit directement dans les casernes adéquates. Donc s'il y avait l'augmentation de fantassins, ils sont dans les casernes de fantassins. Ou alors, ça peut être dans le bâtiment arsenal. Tout dépend de quelle amélioration vous aurez. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et vous sera utile. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à cocher la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao.